Alors, regardez, je voudrais dire quelques mots sur cette terrible tragédie qui s'est produite à Toronto. D'abord, exprimer toute notre solidarité envers les hommes et les femmes de Toronto, bien sûr, les victimes et leurs proches. Quelle horreur, encore une fois, dans plein milieu d'une ville moderne, démocratique, libre qu'est Toronto. Je ne sais pas encore l'identité des victimes. Certains d'entre vous ont demandé s'il y avait des Québécois parmi les victimes. Je n'ai pas cette information. Je ne connais pas la liste et la provenance des victimes. Si, bien sûr, malheureusement, ça se produisait, on le fera. J'ai remarqué la cohésion de la société à Toronto, la façon dont les gens se sont mobilisés, sont réunis. J'ai remarqué le courage des agents de la paix, notamment le policier qui a procédé à l'arrestation, qui a résisté, je crois, à l'appel peut-être de certains d'utiliser son arme, mais qui a préféré utiliser une autre méthode, et on a vu le résultat. Quant aux motivations de la personne qui a posé ce geste horrible, pour l'instant, je pense qu'il n'est pas possible d'en venir à une conclusion. Il faut se garder de prémices simples ou simplistes, là. Attendons le résultat de l'enquête policière pour savoir exactement quelles étaient ses motivations. Était-ce des motivations personnelles? Est-ce que c'était des motivations faisant appel à des enjeux de santé mentale? Tout ça a été soulevé, mais comme je ne connais pas les détails, il faut être prudent ici. Monsieur